1er mars 1924, dans l'Allier. Émile Fradin, alors âgé de 17 ans, travaille dans le champ familial avec son grand-père. Soudain, la charrue stoppe. Le pied d'une des vaches s'est enfoncé dans une étrange cavité dissimulée par la terre. Les deux hommes libèrent l'animal et dégagent une fosse aux parois de briques. À l'intérieur, des os humains, des instruments de pierre et d'os, de la céramique, ainsi que de mystérieuses tablettes d'argile couvertes d'une écriture inconnue. En un mot, l'affaire Glozel vient de commencer. Glozel, une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a opposé de grands archéologues. Alors prenez vos bottes et vos truelles, on est parti pour retracer toute l'histoire. Retour en mars 1924. La découverte fait rapidement le tour du village. Bientôt, Benoît Clément, instituteur de la commune voisine de la Guillermie, mène des fouilles en compagnie du procureur Joseph Viple. Enfin, des fouilles avec des pioches. Voilà. Les deux hommes se servent en objet et au bout de quelques semaines, ils annoncent au Fradin que les vestiges ne présentent pas grand intérêt et qu'ils peuvent remettre le champ en culture. Benoît Clément, l'instituteur, va alors s'attribuer la découverte du site dans une lettre à la Société d'émulation du Bourbonnais. C'est une petite société savante locale. C'est grâce à cette lettre qu'un médecin de Vichy, passionné d'archéologie gallo-romaine, découvre l'affaire. Cet homme, c'est Antonin Morlet. Et il décide alors de subventionner les premières fouilles de Glozel. Il ne le sait pas encore, mais il s'apprête à foutre un joyeux bordel dans la communauté scientifique de l'époque. Oui, monsieur. De 1925 à 1936, Augustin Morlet et Émile Fradin, le jeune paysan, exhument près de 150 tablettes marquées de cette écriture inconnue. Mais ce n'est pas tout. Ils trouvent aussi des figurines, des outils en os, en silex, et des pierres gravées. C'est quand il s'agit de dater l'ensemble que Morlet jette un pavé dans la mare. Pour lui, aucun doute, le mobilier est daté de la fin du paléolithique ou du début du néolithique, soit en pleine préhistoire. C'est ce qu'il annonce officiellement dès 1925 dans un fascicule co-signé par le jeune Émile Fradin. Et là, c'est le moment de faire pause et de se dire « Mais what the f***!» On a tous appris à l'école que l'écriture a été inventée en Mésopotamie en 3400 avant Jésus-Christ. Mais ce qu'est en train de nous dire Antonin Morlet, c'est que tout cela est faux. L'écriture aurait été inventée ici en Europe et qui plus est à la préhistoire, vers 10 000 avant Jésus-Christ. Antonin Morlet cite plusieurs arguments dans son fascicule. Il a notamment découvert un certain nombre d'objets en os qui associent des gravures de reines avec l'écriture inconnue. Or, le renne a disparu de nos territoires vers 10 000 avant Jésus-Christ. Cela suppose que ces gravures, et donc par extension de l'écriture qui les accompagne, remontent au moins à cette époque. Alors, Antonin Morlet a-t-il découvert l'écriture la plus ancienne du monde? Une écriture préhistorique, datant de l'âge du renne. L'histoire commence à prendre de l'ampleur, et la communauté scientifique s'y intéresse. Il y a notamment de grands archéologues qui se rendent sur le site de Glozel à l'invitation de Morlet pour participer aux fouilles. Et les avis sont pour le moins partagés. Salomon Reynard, conservateur du Musée des Antiquités Nationales, prend parti pour Morlet. Il date lui-même l'écriture mystérieuse de Glozel du 5e millénaire avant Jésus-Christ. La découverte l'arrange bien puisqu'elle conforte sa thèse selon laquelle le néolithique ne tire pas son origine du Proche-Orient, mais a des racines bien locales. Un autre personnage à se positionner pour l'ancienneté de cette écriture, c'est Hermann Wirth. Mais lui, c'est pour une idéologie beaucoup moins noble. Si vous ne connaissez pas ce personnage, retenez que c'est le futur co-créateur de l'ANNRB. Vous savez, le fameux institut de recherche nazi. Ouais. Et oui, déjà au temps de notre affaire, Hermann Wirth s'intéresse aux soi-disant témoignages archéologiques laissés par la soi-disant race aryenne. Les découvertes de Glozel l'arrangent bien, car à condition qu'elles soient vraies, elles lui permettent d'avancer qu'une souche raciale aryenne a inventé l'écriture bien avant les peuples du Proche-Orient. Mais, rassurez-vous, déjà à l'époque, il y a quand même un paquet de chercheurs qui sont un peu plus sceptiques que ça. Henri Breuil, connu aussi sous le nom de l'abbé Breuil, le fameux pape de la préhistoire, décrit les harpons trouvés sur le site comme des contrefaçons. André Vaison de Pradène, lui, crie au faussaire pour bon nombre de gravures. Selon lui, elles auraient été réalisées à l'aide d'outils en métal, et ne pourraient donc pas être antérieures à l'âge du bronze. Il ajoute que la plupart des objets en céramique trouvés sur le site sont si mal cuits qu'ils n'auraient pas pu résister à un enfouissement de plusieurs millénaires. Il pourrait donc s'agir de faux. Pour tenter de démêler l'affaire, une commission internationale est mise en place. Et en novembre 1927, c'est une fière équipe de 7 archéologues qui débarquent à Glozel pour mener une fouille.
2-3 jours. Leur rapport conclut à la non-ancienneté de l'ensemble des documents. En d'autres termes, ça commence à sentir mauvais. Dans le même temps, l'affaire fait un petit détour par la case justice. Émile Fradin est accusé d'escroquerie, car il fait payer 4 francs l'entrée de son petit musée privé pour voir ses objets controversés. La justice restera prudente, et après 2 ans, le procès aboutira à un non-lieu. Finalement, en 1936, Antonin Morlet décide d'arrêter totalement les fouilles à Glozel. Quelques années plus tard, en 1941, survient la loi Carcopino qui va définitivement sceller le destin du site. Et oui, désormais n'importe qui ne peut plus faire des fouilles, il faut une autorisation du ministère de la Culture. Alors Glozel a-t-il dit son dernier mot ? Eh bien non, rassurez-vous, car l'apparition de nouvelles méthodes de datation, comme le carbone 14 ou la thermoluminescence, offre de nouvelles perspectives de recherche. Enfin, on va avoir du solide. En 1972, Henri François, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, utilise ces nouvelles méthodes pour dater divers os gravés, certaines tablettes et plusieurs poteries. Le verdict tombe. Les os gravés auraient entre 15 et 17 000 ans. Les céramiques, 5 000 ans. Les tablettes gravées, quant à elles, dateraient d'environ 500 avant Jésus-Christ. Ouais, c'est pas faux ! 7 ans plus tard, 39 nouvelles datations sont réalisées sur les objets en terre cuite par thermoluminescence. Cette fois, 3 grandes périodes semblent émerger. La première, entre 300 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ, concerne l'époque celtique et romaine. La seconde, autour du XIIIe siècle, concerne l'époque médiévale. La dernière est plus surprenante. Certains objets auraient en effet obtenu une datation très récente, qui supposerait le travail d'un faussaire. Encore une fois, c'est un joyeux bordel. Ajoutez à ça que toutes ces datations ont été réalisées à une époque où les méthodes n'étaient pas encore très développées et donc pas très fiables. En plus, toutes ces datations concernent les objets en eux-mêmes, mais n'apportent aucune preuve concernant les gravures ou l'écriture. Par exemple, un os daté par carbone 14 de la préhistoire peut très bien avoir reçu sa gravure à l'époque contemporaine, entre les mains d'un faussaire. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse d'un alphabet préhistorique semble enfin pouvoir être écartée. Mais alors quoi ? Un travail de faussaire ? Une supercherie ? Ou peut-être autre chose ? Et si certaines tablettes pouvaient être déchiffrées ? Et oui, certains chercheurs s'y sont frottés et ont proposé leurs propres interprétations et même traductions. Le Suisse Hans Rudolf Hitz, par exemple, pense que nous devons ces tablettes à des peuples celtes ou gallo-romains. Glozel aurait été un sanctuaire, où les pèlerins venaient déposer ces tablettes en guise d'offrande. Hitz envisage l'écriture glozélienne comme une création datant de 300 avant Jésus-Christ, alors inspirée d'un alphabet étrusque du Nord. L'écriture se serait développée jusque vers l'an 100 avant Jésus-Christ, atteignant 26 signes et une soixantaine de variations possibles. Ça n'est bien évidemment pas la seule interprétation de l'écriture glozélienne, mais c'est la seule que je vais évoquer dans cette vidéo. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que... Eh bien parce qu'en 1983 ont été réalisées les dernières fouilles sur le sol de Glozel pour enfin trancher sur la question du vrai ou du faux. Et oui, on a la réponse. Quoi qu'en disent les forums du type théorie du complot et tout, on a la réponse. Si le rapport complet des fouilles ne sera jamais publié, un résumé de 13 pages est rendu public en 1995. Verdict ? Aucun objet dit glozélien n'est trouvé dans les 5 sondages effectués. Rien. Nada. Aucune trace de cette fameuse écriture mystérieuse n'a été retrouvée lors de ces fouilles. Pas de tablettes, pas d'eau gravée, rien du tout. Au lieu de ça, les archéologues mettent toujours une occupation médiévale bien marquée avec quelques objets épars de l'âge du fer. Le rapport du ministère de la Culture est formel. Le site a été enrichi par des contrefaçons. Vous n'y croyez pas ? Eh bien, c'est votre droit, encore aujourd'hui la thèse glozélienne a bon nombre d'adeptes. Mais on a quand même quelques petites preuves en faveur de la mystification et je vais vous les citer. Premièrement, des études ont été réalisées sur le pollen prisonnier des sédiments dits glozéliens. Le spectre pollinique obtenu ne correspond pas à la préhistoire, mais au contraire, au Moyen-Âge et à l'époque actuelle. Toujours pas convaincu ? Allez, on continue. Deuxièmement, des analyses physico-chimiques ont été réalisées sur les sédiments. Ils ont révélé un pH acide et d'autres facteurs qui empêchent la conservation des eaux sur plusieurs millénaires. Il est donc impossible que les eaux préhistoriques aient été conservées sur ce site.
Soit les os gravés sont bien plus récents, soit ils sont faux et on les a rapportés intentionnellement. Dernier point bonus pour ceux qui n'imaginent pas qu'on ait pu truquer le site en y intégrant de faux objets préalablement fabriqués, eh bien sachez que les archéologues ont retrouvé lors de leur fouille une lampe bien étrange puisqu'elle avait été cassée et recollée à l'aide d'un produit moderne, issu d'une chimie de synthèse. De la colle. Eh ouais. Mais alors, est-ce que tout est faux ? Eh bien, dans la conclusion du rapport, les archéologues estiment qu'un authentique fond glosélien a pu être gonflé après sa découverte par de faux objets, de manière à augmenter son intérêt. Et l'écriture dans tout ça ? Cette fameuse écriture que certains pensent avoir traduite ? Vraie ou fausse ? Pour l'archéologue Jean-Pierre Adam, que tous les étudiants en archéologie connaissent forcément, les tablettes sont une supercherie évidente. Les faussaires du XXe siècle ont emprunté leurs signes lapidaires mystérieux à des alphabets phéniciens déjà connus à l'époque, avant de les disperser de manière aléatoire sur les tablettes. Adam remarque aussi que bon nombre de gravures semblent être des copies grossières d'œuvres préhistoriques réelles, mais inversées en miroir, comme si on avait utilisé un calque. Vous l'aurez compris, de mon point de vue, l'affaire de Glosel n'est pas à prendre très au sérieux. Mais je n'ai pas la science infuse et je peux très bien me tromper. D'autant que certains archéologues, comme Marie Labarrère de l'Orme, défendent toujours l'idée d'un alphabet glosélien réel et surtout préhistorique. En conclusion, faites-vous votre propre avis et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Quant à moi, je vous laisse ici, c'est la fin de ce deuxième mini-documentaire. Ciao!